Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XV. Toujours avec Noctis, toujours à Xignotus. On continue d'avancer dans les différents couloirs. On va essayer de récupérer... Ok pour lui. Je continue de visiter un peu toutes les pièces, il y a pas mal de choses à récupérer. Non, rien là. Ok, allez on avance. J'allais dire rien ici, mais... Minable. Prends ça. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression qu'on arrive proche d'un ascenseur là pour aller à l'étage supérieur. Note datée du 16 mai. Les malades ne disparaissent pas. Ils se transforment en démons. Contrairement aux humains que nous changeons en soldats Magitech, cela semble totalement incontrôlable. Alors, là c'est verrouillé pour l'instant. Ah, je suppose que toi tu vas pas tarder à te réveiller. Comme toi, évidemment. Un méga phénix. Ouh. Une autre note. Note datée du 28 juin. La moitié du personnel de la forteresse s'est transformée en démon. Plus personne ici ne peut contrôler ou éliminer les soldats Magitech. L'épidémie s'est maintenant étendue à toute la capitale. Il n'y a plus aucun espoir. Ok, donc en gros, il reste pas grand chose de leur capitale. Lui. Allez, niveau de sécurité au niveau 5. Le niveau de sécurité de votre carte a été augmenté à 5. Vous pouvez maintenant ouvrir toutes les portes de niveau 5 ou inférieur. D'accord. Donc je suppose que maintenant je peux aller en face. Non, vous vous réveillez pas? D'accord. Tu vas te réveiller par contre à tout coup. Voilà. On était sûr. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces caissons? Toi, je sens qu'il va falloir que je te détruise. Attends que j'arrive là-haut. En même temps, si c'est ce qui contrôle les soldats Magitech, qui leur donne la force comme on a eu dans les bases impériales qu'on a déjà visitées. Alors, pour l'instant, a priori, j'ai pas l'accès. J'irais bien jeter un coup d'œil là-dedans. Évidemment, c'est fermé. Avec un peu de chance, je trouverai la carte. D'accord, il y a comme un trône ici.
Alors, on a un chemin là, donc on va continuer du coup. Non, il n'y a rien, d'accord. Oula ! Je pensais plutôt que ça ouvrirait la porte. Ça va m'emmener jusqu'en haut ? Alors, voyons comment tu vas t'en sortir. Intrus détecté. Activation des soldats Magitech. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe ? Et merde ! Maintenant, je sais ce qu'il y a dans ces caissons. C'est pas vrai ? Il y en a combien comme ça ? Où sont donc passés tes amis ? Tu crois qu'ils t'ont laissé tomber ? Zut. Bon, on va s'en charger différemment. C'est pourtant dur de perdre Gladio de vue. Oh, mais si ça se trouve, Ignis s'est tombé dans un piège. Oh, mon pauvre, tu dois te sentir tellement seul sans tes petits copains. Ok, bon, bah par là c'est fermé. Par contre, il y en a encore beaucoup au sol, là, des soldats. Bon, on va aller par là, on va voir. D'accord, bon, on parle à une impasse. Hein. Ici, on a la borne pour augmenter le niveau. Niveau 6. Le niveau de sécurité de votre carte a été augmenté à 6. Vous pouvez maintenant ouvrir toutes les portes de niveau 6 ou inférieur. Faudra pas leur en vouloir s'ils se sont enfuis. Après tout, c'est normal de vouloir sauver sa propre vie. Ok pour cela. Je suppose évidemment qu'il y en a qui se rêvent. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, toi, je peux peut-être t'envoyer. Oh non, pas ça! Alors, dis-moi, tu fais moins le fier sans tous ces jouets qu'on t'a prêtés, hein?
Hop. Prends ça. Je vais te... Alors, je vois qu'il en reste encore un. Non, c'est bon. Si, il y en a encore un là. Deux. Mais ben dis donc, tu fais carrément moins le malin sans tes petits camarades. Alors, je suppose que maintenant je vais pouvoir accéder dans le fond. Un moyen de continuer. Alors, on va sauvegarder ici. Rapidement. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'expérience à reprendre, mais bon, on sait jamais. On a une sauvegarde et on peut continuer d'avancer. Rapport sur l'effet du brouilleur d'onde dans le Lucis. Le brouilleur d'onde conçu pour le mur magique a été testé à titre expérimental en conditions de combat réelles. La faculté de téléportation instantanée et les pouvoirs magiques des lames royales, l'escadron d'élite du Lucis semble fonctionner sur le même principe que le mur magique. Le brouilleur a donc pu neutraliser de façon effective. Ok, c'est donc comme ça qu'ils nous ont eu. Super élixir. Ils sont nombreux encore là. Je sens que je vais me faire choper la patte. Ah bah forcément, il y a quelques pièges. Oui, normal. Qu'un petit bobo de rien du tout. Allez, bouge-toi. Bon, dépêche-toi un peu. On n'a pas que ça à faire non plus. Cherche-le! Comment tu sais ça? Fais-moi confiance. Je suis persuadé que c'est pour ça qu'il nous a amené ici. Ouais, vous dépêchez, les gars. Ouh! On l'a échappé belle. Mais comment vous avez fait pour arriver ici? Ouais, y a pas de quoi. Merci. Quand le train s'est effondré, on a reçu un coup de main. De notre meilleur ennemi. Cet enfoiré se fout de nous. Mais bon, au moins, on s'est retrouvés. Il manque toujours Prompto. Tu dois être content. Tu as enfin retrouvé tes serviteurs. Que c'est beau, la camaraderie. Je vous envierai presque. Ok, bon... Espérons que vous arriverez à sauver le dernier. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver Prompto.
Une nouvelle salle de conseil. Comment ils sont équipés par contre, mes collègues ? On va leur donner les meilleures choses quand même. Allez, on avance. Tiens, celle-là est verrouillée. Ça doit vouloir dire qu'il y a quelqu'un dedans. J'étais sûr que tu irais par là. Oh, tu n'as aucun sens du spectacle. Honto est là. Hey, ça va aller? Pas blessé. Est-ce que t'as besoin de soins? Ça va aller. Noct, je te remercie. Pas de quoi. Hey, dis-moi, tu t'es inquiété pour moi? Évidemment. Ben, ouais. C'est normal, non? Je savais que tu viendrais me chercher. Je te connais. J'en étais persuadé. Pronto. Après ce qui s'est passé, je voulais pas que ça finisse comme ça. Je me suis dit, je peux pas mourir avant de te revoir. Désolé. T'inquiète pas. C'est déjà oublié. Ok. Bon, maintenant qu'on a récupéré toute l'équipe, alors on va récupérer Prompto du coup. Pour accéder là. Bon, donc ce sera plus tard. Hein.
Alors, maintenant qu'on a récupéré Prompto, on va refaire un point de sauvegarde. Hein, pour accumuler l'expérience qu'on a acquis lors de la fin de la... Hop. Et on avance à nouveau. Noct, tu entends ce bruit ? Quel bruit ? Le même bruit qu'on a entendu dans le train. Juste avant que tu perdes tes pouvoirs. Sa source n'a pas l'air d'être loin. C'est peut-être le moyen de retrouver nos armes. C'est tout près. Quoi, c'est ce truc-là ? Merde, c'est fermé. Le bruit vient d'un peu plus loin. Y a aucun moyen de passer. Je vais l'ouvrir. Ces soldats, ils ont un tatouage. Comme moi. T'as dû les voir. Un tatouage ? J'ai pas vraiment fait attention. Tu sais... En fait... Je suis Denis Fellheim. Désolé. J'ai jamais eu le courage de vous l'avouer. En tout cas... Vous êtes mes meilleurs amis. Comme des frères. Vous êtes tout pour moi. J'espère juste... J'espère que ça changera jamais. On s'en fout, peu importe d'où tu viens et où t'es né. J'ai du mal à croire que tu nous trahirais. Ça me traverserait même pas l'esprit. C'est gentil. Mais je peux pas... changer mes origines. Ça me suivra toute ma vie. Pourtant, les origines des gens, tu t'en es jamais soucié, toi. Hein ? La preuve, depuis qu'on se connaît, tu m'as jamais traité en prince, je me trompe ? Tu m'étonnes. C'est un sérieux manque d'étiquette. Allez, en avant. Mes bons sujets du Lucis. T'es un des nôtres, non ? Viens vite avant qu'on change d'avis. Alors, on arrive donc à la salle où il y a le trône. Alors, ça a marché ? En tout cas, la machine s'est arrêtée. Noct, tu as retrouvé tes pouvoirs ? Allez, essaie. D'accord. On a retrouvé nos armes. C'est rassurant. Bon, allez, on y va. Noctis a retrouvé ses pouvoirs. Il peut appeler Umbra dans le Dormitorium Mercenarium. Pour retourner dans le passé. Alors du coup je vais changer un peu mon équipement quand même. Reprendre les dagues. Je vais garder l'anneau et l'épée du père quand même. Parce que c'est quand même assez puissant. Et on va mettre un peu de magie. Tourbillon, ok, et Prompto. Voilà.
Du coup, j'ai retrouvé ma magie. Nickel, on peut avancer. Allez au hangar. Wow! C'est pas vrai, encore lui. C'est un ami. T'as des amis en courant. Eh ben, c'est pas grave, ça. C'est comme si tu voyais. C'est un peu différent. Enfin, ce qui compte, c'est que je peux. Ignis, reste près de moi. Ok, je te remercie. Moi je veux bien aller au gars, a priori c'est pas par là. Côté, il me semble que c'est verrouillé aussi. Décidé de mettre l'anneau ? Ouais, obligé. Sans armes et sans aide, je t'avoue que j'avais pas vraiment le choix, en fait. Que veux-tu ? Fallait bien que quelqu'un se batte pour avoir une chance de reprendre le cristal. Et puis fallait quand même que j'aille vous sauver aussi, non ? Des paroles dignes d'un vrai roi. L'anneau représente un lourd fardeau. Mais tu ne le portes pas seul. Je sais. Bon, maintenant qu'on a retrouvé nos armes... Pas des Magitech. Je compte sur vous pour me filer. Ah, il saurait que c'est ça maintenant. C'est vrai qu'il fait plus le marquage. Continuons notre route. Bien allé, Smith. Les deux même. Encore mieux. Dégage! Ah, ça n'a pas battu le spectre, ça. Il faut vraiment te battre. Oui, c'est ce qu'il me faut. Prends-toi. Prends-toi. Une rafale de balles, ça fait mal. Voilà, ça fait mal son souffle là. Prends ça. Oh non. Ah, vous verrez bien qui s'est empoisonné. Allez, on enchaîne. Au fait, où est-ce que vous avez garé la régalia ? Dehors. Enfin, on l'a pas vraiment garé. En fait, elle n'est plus en état de rouler. Elle nous aura protégés jusqu'à son dernier souffle. J'espère que Biggs et Wedge s'en sont sortis indemnes. Qu'est-ce qui s'est passé ?
On s'est fait attaquer en arrivant ici. Vous en faites pas pour eux. Je suis sûr qu'ils sont vivants. Super cher là. Ah purée. Ignis, j'ai trouvé un problème. Qu'est-ce que... Il faut tuer. Pourtant, est-ce que ça va? Désolé. Ignis. Prends ça. Ne t'excuse pas. Pourquoi t'es pas disparu toi? Je t'en remercie. Là. Ignis, j'ai trop de points faibles. Ignis, j'ai trouvé un point faible. Et maintenant, le cristal. Ouais, bien enfermé. Heureusement que j'ai un passe-partout qui permet d'ouvrir toutes les portes de cette forteresse. Eh ben, ça a du bon d'être né ici. Et ouais. Il est où cet ascenseur? Ah, oh, je peux récupérer. Allez, du coup, on va refaire un peu de magie. C'est vrai que j'ai pas pensé à utiliser tout ça. D'autres comme ça. Ah oui, ils sont là les autres. Ok, le feu est plein aussi.
Si, je mettais un truc que j'avais vu. Un pic de scorpion avec, pourquoi pas. Feu infectieux. On va s'équiper de ça. C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait faire ça en fait. Allez, maintenant qu'on est équipé, on avance. Hop, il y a un magasin. Ce sont des armes, donc là non. Et on continue d'avancer. Noct, tu pourrais marcher moins vite. Le cristal nous accordera ses bienfaits. Moi seul mérite de devenir le roi du monde. Super, il n'y a plus qu'à aller à l'ascenseur. Nous touchons enfin au but. Un point de sauvegarde. Je vais commencer par dormir.
Ah, on a quelques photos du coup. Et puis bah, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas trop ce qu'il y a par la suite, si c'est la fin ou pas de la zone, mais le fait qu'il y ait un point de sauvegarde me fait penser qu'il y a encore des choses à faire après. Donc bah écoutez, je vous retrouve demain pour la suite de Final Fantasy XV. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.